Mesdames et messieurs, comme vous le savez, encore une fois sur Congo Live Télévision, nous avons l'honneur de revenir ici aujourd'hui pour vous informer. Depuis la diaspora, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous disons merci de votre fidélité. Je suis Youssoufou Kibingila, David, journaliste d'investigation basé en République démocratique du Congo. Nous voici de nouveau à ce jour, c'est 15 mai 2024, depuis l'Est de la République, pour vous informer. Comme vous le savez, depuis quelques jours, depuis la semaine prochaine, il faut bien le préciser, depuis la semaine prochaine, depuis la semaine passée, pas la semaine prochaine s'il vous plaît, depuis la semaine à passer, les rebelles du M23 et les FRDC sont en train de mener de rudes combats dans les territoires de Rutshuru. Il faut les signaler que les rebelles du M23 sont aux abois aujourd'hui, ne savent plus quoi faire. Ils sont là, mais ne savent plus comment se comporter. Parce que le fait que le FRDC utilise, c'est autre chose. Le fait qu'utilise l'armée congolaise, c'est autre chose. Et qu'est-ce que les sources sur place nous font savoir? Il y avait affrontement jeudi de la semaine passée, vendredi et samedi, dimanche, c'était les combats qui ont été signalés dans les territoires de Masisi. Mais le lundi de cette semaine qu'on a commencé depuis avant-hier, il y a de rudes affrontements qui ont été encore signalés dans les territoires de Rutshuru. Mardi, donc, hier, il y a eu des rudes affrontements qui se sont rapprochés toujours de certaines localités dans les territoires de Rutshuru. Et je vous avais dit, il y a des localités qui sont en train de passer sous la main puissante des FRDC. Et sur les affrontements, ou bien dans les affrontements qui se sont déroulés hier dans les territoires de Rutshuru, qu'est-ce qu'il faut noter? C'est mercredi 15 mai 2024. Combat FRDC M23. De violents combats opposant les FRDC au M23 depuis ce mardi 14 mai. L'armée congolaise aux rebelles du M23 autour de l'agglomération de Kikuku. Là, nous sommes dans les territoires de Rutshuru. Des sources locales parlent des bombardements des FRDC qui ont atteint plusieurs positions des rebelles près de Kikuku. Les rebelles ont subi des pertes énormes. Depuis le jeudi passé, je vous l'avais dit ici, et que les affrontements ont débuté, les affrontements ont encore recommencé dans les territoires de Rutshuru où il y a un silence, des accalmies précaires qui s'observaient depuis un certain 2 semaines. Mais depuis la semaine passée, depuis le jeudi de la semaine passée, il y a des affrontements qui ont été signalés dans ces territoires. Ainsi, hier, les affrontements qui ont été menés entre les rebelles du M23 et les FRDC s'approchent déjà de Kikuku. Donc, ma position moko moko et à Kikuku, ma rebelle, ma bandai Kufandela, le FRDC a nous bombardé. Rebelle du M23 aujourd'hui, bazande na souka yamakambo. Ba rebelle du M23, je vous avais toujours dit ça ici. Les rebelles du M23 n'ont pas la force. Les rebelles du M23, bien que baza appuyé na ba puissance mondiale, oyo etikali na anonima, bien que lelo, eza armée rwandaise, oyo eza sur le mabele à Congo. Baza na makasite, baza na force te, baza bango te, lelo soki tolobi, toti na bango poa. Bakozala ta na makasi te oya kotira biso tembe baza na ngote et nous saluons l'acte ya ba FRDC oyo bazo sala. Nous saluons le courage oyo ya ba FRDC. Nous saluons détermination oya mapinga ma ekolo bazo sala mikolo oyo ko bombarder ba position ya ba M23 eza bien, ko pilonner ba position na bango eza bien, bombarder ndenga na ibisa kibino. Il y a des positions à ba rebelle oyo ba bombarda ki ndenga bozotala na image wana. Il y a de mituka na bango oyo ba tumbaki ezala ki ba camion oyo ba ndenga ko transporter ba munition na bango ko bima Rwanda pour que ba ya ba renforcer ba position na bango oyo eza autour ya cité ya Sake pour que ba zwa cité ya Sake. Mais esimba kite et Simba quitté parce que le FRDC était vigilant et a nous bombardé massivement. Baveki na bango et tumba maki. Ils ont mis les feux sur ces véhicules. Ils ont bombardé ces véhicules.
Les affrontements qui se sont déroulés hier, rebelle à mon il faut te résister. Kak. Mais résistance, c'est que Moussika, ba FARDC, c'est ba artillerie, na bango nyoso, na katia bitumba. Batia nyoso, oye sengeli batia, na katia bitumba. Yango boye ko comprendre le loi ki bitumba oye tozo mene, e sengeli ka toza la determine. E sengeli toza la courage. E sengeli toza la courage. E sengeli courage na biso e zala. Ça fait déjà 30 ans qu'il y a la guerre. Ça fait déjà 30 ans qu'il y a des personnes oyo bazobuma. Ça fait déjà plus de 13 millions de personnes oyo bakufa. Bato bakufa na RDC baza ebele ko lekata bato oyo bazo constitution bamboka mosusu na kati ya mokili. Est-ce que tokotika ou bien sengeli to m'instruire avant pour voir comment est-ce que tokosili sa bitumba d'une manière définitive? Yango wana bitumba ezomi poursuivre na territoire ya Rutshuru. Hier babundaki, hier babombardaki ba position oyo ya ba M23 na Kikuku. Toutefois, ces sources indiquent que ce combat entraîne d'autres conséquences. De certaines d'autres ménages ont fui Kikuku et ses environs en direction de Kanyabayonga, Lusuli et Mutanda. Lusuli, Mutanda, Kanyabayonga, Kisise, Nyanzale, Bualanda, Bambo Kanyo Soana, po bazwa yango, esengela kinanu. Bazwa Mutanda. Dans les affrontements précédents, bazwa ki Mutanda. Le phare de son récupéré Mutanda. Après Mutanda, il faut qu'il arrive à récupérer Kikuku. Après Kikuku, il faut qu'il arrive à récupérer Bualanda. Et c'est ce que nous voulons entendre. Parce qu'après Mutanda, là où ils ont récupéré, il faut Kikuku. Après Kikuku, il faut Bualanda. Après Bualanda, Nzela nyo sona naibi parce que tokomaka, nakomaka. Après Bualanda, kozala Nyanzale. Après Nyanzale, bazu direction kozwa Rutshuru centre. Boni bitumbezo kene. Yango wana. Donc, avancer les lots, les FARDC avancent dans le territoire de Rutshuru. Bazo avancer. L'ennemi est aux abois, les FARDC avancent. Panza Sango, Tambuisa Masolo, partagez la vidéo. Les FARDC avancent. Bino Bolobake, les FARDC avancent. Rate, bah avancez qui et je vous informe. Vous qui avez toujours l'habitude de disconvenir, je vous dis bien. Bazwaki Bualanda, d'ici Peba. C'était hier que je dis ils doivent prendre Kikuku. Hier, ils ont bombardé et nous croyons ce matin ici, ils vont entrer déjà dans Kikuku. C'est-à-dire, on reviendra les après-midi pour vous dire les FARDC désormais sont dans Kikuku. Après Kikuku, Bualanda, après Bualanda, Kozala, Nyanzale, après Nyanzale, direction Rutshuru Centre. Nanga Kozwanzela, Akoumba, Akokima. C'est le combat qui a opposé les rebelles du M23 au FARDC soutenu par les jeunes résistants Wazalendo cette hier-là. Bitumba eza moto. Bitumba eza moto. Bitumba oye. Moto na moto. Bako kima. Ils vont fuir. Bazo kanisa Congo oyo. Eza biloko mora maseki. 30 ans c'est beaucoup. 30 ans eza ebele. Nous. Babouma biso depuis 30 ans. Eza ebele. Ebele. Lelo bakokunda 35 personnes. 35 personnes bakokunda ngo lelo. Oye bakoufa ki na Mugunga. C'est prévu aujourd'hui. Je vous ferai l'exclusivité à Makamonyo Sunenge Zosalem. Bakonsko bimana Kinshasa bakoma ki déjà bazar. Pour le funérailles et tout le reste. 35. D'un coup comme ça, babeti bombe, beboumi 35 personnes. Et avec ça, il faut qu'on tolère. Avec ça, il faut total. Tolobate, Ekosimbate, Sengeli, Tomi, inscrire à fond dans cette affaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter aussi? La RDC a réceptionné un deuxième lot de trois drones offensifs chinois CH-4 destinés au théâtre des opérations contre la rébellion du M23 et les Rwanda. Trois autres sont entendus d'ici quelques mois.
Bonne nouvelle, koloba eke, ba drone eko maki, ba rebelle à M23, boko oumba nzela. Obo tie, anti, ba nani wana yako, ba machine abino wana sogi, emati bo bombarde ango, bo kaniska bino ndeka bozana mayele. C'est ce que vous pensez, c'est seulement vous qui est malin. C'est seulement vous, bino ndeka bozana malin. Lukuta, bozo mikosa, vous êtes en train de vous tromper. Bitumba oyo, Ezana ngambo na biso. Donc la RDC a réceptionné de nouveaux drones oyo komaki. Eza déjà nakati ya mboka. Ezali nakati ya RDC. Toza déjà nango nakati ya mboka na biso komaki. Ça vaut pas la peine koloba ekomela ki wapi etali binote. Eza ba secret d'état mais koloba esi ekomi. Bon, si vous ne voulez pas vous retirer, c'est que vous allez subir. Déjà, on commence à vous mener sur le front, même sans qu'il y ait un drone ou un aimant. Bofinga, Boloba, tout ce que vous aviez dit. Mais cette guerre doit finir. La guerre doit finir. Ses conséquences sont néfastes. Ses conséquences, et si elle m'a battue belé. Il y a des autres. Oye Bakoufa qui n'a minova avant-hier. Voilà, yon soka babila. Ya batu oyo bazokufa esengeli esila esengeli to mi inscrire biso nyo spot mo na boni bitumba oyo ekosila dans le cadre de désengagement progressif de la MONUSCO. L'un des premiers bataillons indiens de la MONUSCO a terminé sa mission en RDC aujourd'hui, c'est-à-dire hier. Une cérémonie de départ a été organisée à l'air honneur à Goma avant le rapatriement définitif ce mercredi. Rapatriement na bango définitif visa prévu mercredi oyo, donc sengeli bazonga sengeli bakende dans le cadre à désengagement ya MONUSCO sengeli bakende. Ça fait plus de 25 ans qu'ils sont sur les sols congolais. Aujourd'hui chaque congolais commence à se plaindre. Oh bakoma depuis bakoma basale l'autre côté depuis bakoma ils n'ont encore rien fait depuis bakoma. Donc eza biloko oyo za remarqué d'ici et là, donc sengeli lelo bakende. Bino bobele la keke bazo sale lo côté. Voilà donc information koloba ezala ki na Bukavu dans les sud Kivu, dans la province du sud Kivu plutôt. Oyo désengagement e bandela ki maleme maleme. Voilà donc to bandi pe na Goma oyo sengeli ba kende maleme maleme ka bazo kende maleme sengeli ba e sengeli ba kende pe ba kosila na ko kende ba nje pe ba bandi ko kende. Le commandant de la force de la MONUSCO, le général de division Kardiof et le général Fall Sikabwe Fall, commandant des opérations FRDC OFF, se sont rendus à Mubambiro au nord Kivu pour rencontrer les troupes déployées et évaluer la situation sécuritaire dans la région. Donc, mon conseiller général, il y a division. Ya MONUSCO na mokonzi oya ba opération awa na nord ke vous fall sikabwe oya zo kumba bitumba oyo soki lelo bozo yo kaeke bitumba oyo za na faveur ya ba FARDC muto zo kumba ngo za sikabwe fall aza général oyo azo kumba abitumba wana ye ndenge bozo tala ye na mokonzi na division na général de division oya MONUSCO bazala kino bina Mubambiro pour se rendre. Est-ce que ba lelo kozo kende bien? Est-ce que ba préparatif ezo kende nango ma lamu Bitumba à l'est de la République démocratique du Congo, après avoir autorisé la création d'une coopérative des mines à Rubaya pour encadrer l'exploitation minière artisanale, les M23 avaient intensifié les combats jusqu'à occuper ces territoires. Aujourd'hui, sur instruction de Paul Kagame, une taxe a même été imposée de $3,000 pour la tonne de coltan et $2,000 pour la tonne de cassiterite, dont le paiement se fait à Kigali après vente. Pour détruire la classe moyenne, ils ont saisi tous les minéraux destinés au comptoir congolais et les ont orientés vers Rwanda. Communiqué. On les a communiqué Bakonzi Basalaki. Ministre Oyo Aza a chargé na Makambwana a tikeli koloba eke depuis Batia Oyo création
il y a coopérative de mines à Rubaya pour encadrer l'exploitation. Il y a minier, il y a artisan, c'est-à-dire il y a timulaka. Oye bato akenda kamwa libulu atimoli azua kamwa eloko na yakendo teki salibanda depuis bakanga donc basala ba moyen yoso pour que minere ezala fraudete donc parce qu'il faut le dire dans le sens depuis basala nyoso pour que minere ezwa fraudete ba rebelle Dieu 23 ba mona ba koinse biso yango ba intensifier ki ba combat pour que bazwa cité ya Rubaya. Lelo ba ebi kaka eza yango etikeli bango. Lelo ba ebi kaka c'est le sel moyen qui le reste dans la guerre. Yango batia ki batu batimo la banzela bakata banzela par force parce que ba ebi avant que la guerre soit déclenchée au sérieux, nous devons déjà avoir fini notre opération. Opération bango eza nini? Opération bango eza koiba minerai. Opération bango eza nini? Opération à Bangoeza de s'enrichir sur les sang des compatriotes congolais. Parce qu'ils savent, ils n'ont plus le temps. L'arrivée de Sukoi, l'arrivée des drones, balobi awa toko kufa, c'est kokufa. Bamon, il n'y a plus d'autres moyens à faire si ce n'est pas précipiter le vol, il y a minéré. Yango zotika la lelo yo kikeno ba continua ki bazo tracer banzela bazo tia ba comptoir a Kigali vente zo salema donc paiement zo salema après vente ba kati tax sir colta ya $3,000 ba kati tax ya $2,000 sir casiterite ils sont en train de s'enrichir yango sengeli biso peto tia moi pression. Et sengelite to dorloté bangoté et sengel to tia moi pression. Moi pression pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. L'état qu'on sera en train de les laisser sur lequel ils bango temps, ils vont avoir les moyens de se renforcer pour voler. Ils auront les moyens faciles pour voler. Et on ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas leur laisser ce temps. On ne peut pas leur laisser ces moyens. Il nous faut à tout prix nous débarrasser de ces rebelles du M23. Alors c'est par là qu'on va prendre fin de cette émission, mesdames et messieurs. Donc nous disons merci de votre fidélité. Vous étiez nombreux à entrer de nous suivre depuis le début jusqu'à la fin. Nous vous appelons tous à soutenir les FRDC Mapingama Ekolo. Baye yo bandima kwa pona Ekolo. Pourquoi ne pas soutenir les jeunes résistants Wazalendo? Pourquoi ne pas soutenir les déplacés de guerre? Moyen qu'on soutenir bango eza ebele. Moyen qu'on sunga bango eza ebele. Mais rassurez-vous seulement que l'est du pays yope au contribuer qui moi et loco. Ça fera du bien. Ça fera du bien. Et kozala ya malonga pona bisolelo. Et kozala ya malonga pona yo. Zala fier na mutema ya malamu oyoza nango. Et kozala pe bien. Ndenge na bisaki bino na ebandeli eke. Nous attendons voir si les affrontements d'aujourd'hui nous mèneront où. Mais, biteza et que l'élo, la journée à l'élo, ces affrontements que les FRDC récupèrent aussi Kikuku. Comme ils ont récupéré localité à Yamboana, ils ont récupéré Kikuku, comme ça, ils ont récupéré aussi Bualanda, Nyanzale, et ils ont continué pour que le peuple soit Bazonga, dans le cadre du village Nabango. Pour finir, alors le londe bakokunda ndenga na lobaki le londe bakokunda batu oyo bakufa ki na bombardement oyo ya ba rebelle du 23 dans les camps de déplacés là à Mugunga. Tokopesa bino exclusivité ya makambo ndenge ezali. Ezala ki bwa bino Youssouf Kibingila David. Natikali disponible au plus 243 993 46 71 93. Tolobi matondo mingi. Na mukolo mwako ya pona basango na biso ya sika.